Maxime et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'entraînement. Aujourd'hui un entraînement HIIT full body, on va partir sur 20 minutes d'effort, 30 secondes d'exercice, 10 secondes de pause, 5 exercices, 6 tours, ça s'annonce bien intense. Maintenant je vais passer à la présentation des exercices, vous me suivez? Premier exercice, donc vous pouvez choisir ou non d'utiliser un tapis, moi je suis voilà, sur l'herbe du terrain, c'est assez confortable, c'est à vous de voir. Premier exercice, on part sur des demi-burpees squats. Demi-burpees et squat. Vous avez la version décomposée comme ceci, où vous n'êtes pas obligé de sauter. Le deuxième exercice, on va partir sur une planche haute. Et tiens, donc j'écarte et je ramène mes jambes. Ici, c'est très important d'avoir l'alignement de l'épaule, du coude et du poignet pour bien serrer, contracter les abdominaux. Le troisième exercice, on va partir sur des cross squats. Donc là, je croise et je fais un squat. L'idée étant d'aller toucher le sol, d'accord? Les fessiers bien en arrière, en regardant bien toujours en face de soi pour éviter que ça devienne juste un étirement au niveau des cuisses. Pour le quatrième exercice, on va partir sur des ciseaux. Donc là, je suis sur place et j'active mes bras. Voilà. Je fais des ciseaux sur place. Plus vous mettez d'intensité, plus évidemment c'est difficile. Et enfin, le dernier exercice, donc là c'est au choix, soit je fais des jumps, donc là je monte mes genoux au niveau de la poitrine le plus haut possible. Si cet exercice est un peu trop violent, on va partir plus sur des genoux alternés. Voilà, c'est à vous de voir l'intensité que vous souhaitez mettre. Pareil pour les jumps, vous voyez j'ai fait deux petits rebonds, un saut. Si vous sentez fatigué, vous pouvez augmenter le nombre de petits rebonds, ou alors si vous n'êtes pas, vous enchaînez les jumps. Allez, on va passer à l'échauffement, c'est parti. Pour la phase d'échauffement, on va partir sur 2-3 minutes d'effort, histoire de faire monter légèrement le cœur, avant de passer directement à la phase de HIIT, bien plus intense. Donc ici, on court sur place. Voilà, l'idée, c'est d'activer vraiment un petit peu la fréquence cardiaque. Voilà, on court sur place. Super. Bon, on va faire quelques ciseaux qu'on a pendant l'entraînement. On en profite pour s'entraîner à les faire. Ça demande une légère coordination. C'est comme si vous marchiez vite. Hein. Donc là, je regarde par terre, je suis sur la pointe de pied. Voilà. Continuons, enfin pour 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1. Super. On court sur place. On va partir sur quelques talons-fesses. C'est parti. Talons-fesses. Vous pouvez activer les cuisses. Bien joué. Allez, on rajoute des punches devant. Après, ça demande un petit peu de coordination. Allez, courage. Voilà. On active le cardio. On court sur place. Super. On va faire quelques montées de genoux. C'est parti. Très bien. Allez. Les bras sont actifs. Toujours important. Allez, je monte les genoux, j'accélère et je cours sur place. On respire. Très bien. Allez, courage. Quelques jumping jacks pour activer bien les épaules et les bras. Parfait. On lâche pas. 8. Parfait. Et on court sur place. Allez, c'est presque fini pour l'échauffement. On va échauffer encore un petit peu les cuisses. On a quelques squats pour l'entraînement. On fait une fente avant et on revient. Fente avant et on revient. Super. Fente avant et on revient. Encore deux de chaque côté. Allez. Dernière. Très bien. Et on court sur place. Voilà, si vous sentez suffisamment échauffé, on va pouvoir passer à la phase d'entraînement. Je vous laisse prendre une bouteille d'eau à portée de main. Vous pourrez toujours boire pendant la pause de 10 secondes. N'hésitez pas à mettre de la musique sur cet entraînement. Allez, c'est parti. Alors, on se met en place pour le premier exercice. On part sur des demi-burpees squat. 30 secondes. C'est parti. Demi-burpees. Et on reste bien en squat. Sur le squat, je regarde bien en face de moi. Ah, super. Ah, répétez si vous êtes avec votre tapis. Vous pouvez, c'est vraiment comme vous le sentez.
Voilà, j'ai la version sans sauter, une jambe après l'autre. Et je reviens. Je décompose le mouvement. Bien joué, on continue. Allez. Deuxième exercice, planche jack. Donc la planche haute, les mains au sol. Et on écarte en avant. Voilà, ça revient les abdominaux. Voilà. Allez, on reste. Yes. Pareil, je peux décomposer le mouvement droite-gauche. J'essaie de bien avancer mes épaules au-dessus de mes poignets. Allez, on y est presque. Voilà, ça doit chauffer aussi les épaules. Deux. Un. Ok. On part sur les cross squats. Et on va bien descendre les fessiers. On respire. Et c'est parti. On croise et on descend. On croise, on descend. Bien joué. Allez, on ne lâche pas. C'est le premier tour. Voilà, on chauffe les cuisses. Bien joué. Allez. 30 secondes, c'est rapide, ça passe vite. Super. Allez, on descend bien ses fesses, on met du rythme. Super, les petits ciseaux sur place. Donc là, on regarde par terre. En dernier exercice, on a le droit. On active les bras. C'est parti. Profitez-en pour respirer. L'idée c'est d'avoir du tonus pour les jumps après. Et ça reste très même cardio. Voilà, bien joué. Allez, on lâche pas. On est bien. Super. Allez, courage. Yes. Deux. Un. Et pause. C'est un exercice les jumps. On monte les genoux le plus haut possible. On alterne les genoux haut, droite et gauche. C'est parti. Peut-être moins parler pendant cet exercice. Extrêmement cardio. Super. Allez, on lâche pas. On est bien. Allons. On continue. On respire. Le mouvement par des abdominaux. Et on monte les genoux. Pas les talons. Super, on a déjà fait le premier tour. Plus que 5. Demi-parti squat à suivre. On se met en place. C'est parti. Et squat. Entraînement de faire très cardio. Super. Et reviens. Allez, on continue. Bien joué la team. Allez. C'est ça. On commence à avoir chaud. Deux. Un. Magnifique. Planche haute, jack. Les mains au sol. Et c'est parti. Voilà, on est vite là qu'on veut. Lâche pas. Allez, ça pour les abdominaux. Excellent. Super. Allez, courage. On souffle. On y est presque. Yes. Deux. Un. Et c'est tout bon. Cross squat. Donc là, on descend bien les fessiers. On a la moitié du tour. Et c'est parti. On respire. Yes, on est au top. Vous voyez, je fixe un point en face de moi. Je descends mes fesses. Je vais toucher le sol. Je ne veux pas voir ça. C'est vraiment au niveau des cuisses que l'effort se fait. Allez. On souffle. Exercice suivant, les ciseaux. Allez, en place.
alterne droite gauche. Allez, on respire. Yes. Allez, courage. Allez, on a presque fini le deuxième tour. On lâche rien. Exercice qui a l'air de rien comme ça. C'est bien cardio. Allez, on est duré. C'est vous qui choisissez votre intensité. Ok. On va monter les genoux. Le pire du tour pour moi. Allez, en place. Et c'est parti. Petit remont et monte les genoux. Super. Parfait. Allez, on continue. Yes. Allez, on lâche pas. Et monte. Allez. Les genoux en l'air. On souffle. Allez. On y est presque. 2, 1. Et ben on a fait deux tours. Un tiers d'effort, un tiers de l'entraînement. On passe les demi-burpee squat. Troisième tour. C'est parti. Et le petit squat. Allez, on met l'intensité qu'on sent. Bien joué. Allez, courage. Voilà. Très bien. Pense à la respiration, très important. Voilà. Les cuisses chauffent. Un. Et pause. Planche juste. Jacques. On se met en place. Pas par une seconde. Et c'est parti. Hop, on écarte ton vraiment. Super. On souffle. Bien joué. Allez, on respire. Top. Ça va être l'option droite et gauche en décomposant. Sinon, continue à sauter. Yes. 2, 1. Ok, super. Cross squat. Ceux qui sollicitent le plus les quadriceps. Et c'est parti. On croise et on descend. Allez, courage. Bien joué. On sent bien ses fesses, hein. Celui-ci, je le montre en décomposé. On croise et squat. Sans le saut. L'intérêt du saut, c'est qu'on met vraiment de l'amplitude dans son mouvement. On intensifie l'effort. Yes. Jusqu'au bout, hein. Les ciseaux. En place. On souffle, on respire. Et c'est parti. Ciseaux sur place. On met de l'intensité. Allez, droite, gauche. Bien joué. Oui. Allez, on lâche pas. Bien. Et vous pouvez faire ça vraiment partout. Dans votre salon. Dans un jardin. À la plage. À la salle. Vraiment, vraiment partout. 2, 1. Et pause. On part sur les jumps. Et on aura fini ce troisième. Et c'est parti. Hop. Et on monte les genoux. On lâche pas, on est presque à la moitié de l'entraînement. Allez, team. Bien joué. Yes. Et on monte les genoux. Parfait. Allez, courage. Allez, on monte les genoux. Très bien. Et monte. On a presque fini. Allez, on a fait 10 minutes. On a la moitié de l'entraînement. Bien joué. Demi-burpee squat. Une fois qu'on a entamé cet exercice, on a fait plus de la moitié. C'est parti. Et on descend bien les fessiers sur le squat. On reste en bas. On regarde en face de soi. Bien joué. Allez. On lâche pas. Hop, je jette mes jambes et je reviens.
J'essaie d'en faire un maximum. J'adapte l'intensité, hein. Magnifique. On part sur les planches, Jack. Hop là, ça en bouge pas une seconde. Et on respire. Voilà, l'alignement de mon épaule, mon coude et mon poignet, très important. Super. Allez, on souffle. On avance bien les fesses. On passe un truc, les fesses en l'air. Yes. Allez, on continue. On est prêts. Allez, courage. Super. Les cross-squats à suivre. Je vais souvent être en place. On fixe un point en face. Et c'est parti. Et on descend les fessiers. Allez, courage. On souffle. Bien joué. Allez, on continue. Yes. Allez, courage. On lâche rien. Voilà. Allez, on descend bien ses fesses. On y est presque, les gars. Oui. Ciseaux. Quatrième exercice du tour. On est en place. Et on alterne, droite gauche. Allez. Très bien. Allez, ça doit bien commencer à chauffer partout. Le cardio est bien en haut. Bel entraînement de haute intensité. Allez, allez. On accélère. Ciseaux sur place. J'essaye de bien fléchir mes jambes. 2, 1, et pause. Allez, les jumps. Et on aura fini ce quatrième tour. Pensez à respirer pendant les pauses. N'hésitez pas à boire un coup pendant les 10 secondes. C'est parti. Yes. Allez, on bouge les genoux. C'est ça. Allez, on y est presque. Bien joué. Allez. On continue. On lâche pas. Allez, courage. 2, 1. C'est vraiment l'exo, je peux pas trop parler. Quel plus cardio. Allez, on part sur le cinquième tour. Plus que 2. Demi-burpee squat. C'est parti. Super, on jette les jambes. Et on revient à la position de départ. On lâche pas. Yes. Allez, on continue. Vous êtes au top là. Je sais pas vous, mais moi ça transpire. Allez, courage. 20 minutes à fond. C'est parti. Bien joué, allez. On continue. Planche jack. On se met en place quand les bips commencent. On n'en perd pas une miette. Et c'est parti. Allez, 30 secondes. Bien joué. Allez, on serre les abdos. Yes. Tout ça, on est bien. Super. On lâche pas. On lâche rien. Les épaules sont bien au-dessus des poignets. Pas de planche vers comme ça. On continue. On y est presque. Allez, les gars. 2, 1. Super. Cross squat à suivre. Le soleil s'invite maintenant. C'est très agréable. Respire. 2, 1. C'est parti. Et on descend les fesses. Yes. Allez. Fixez bien un point devant. Même si ça pique, je baisse pas le regard. Par contre, je baisse mes fesses. Allez, courage. Yes. Allez, on donne tout. Parfait. 2, 1. Petit ciseau. On respire. 2, 1. C'est
terre droite, gauche. Mets d'intensité dans ce mouvement. Allez, courage. Ouais, bien joué. Allez. Allez, on souffle. On respire. On accélère. Yes. 2, 1. Les pauses. Les jumps. On aura fini ce 5e tour. Ça devient bon. Allez, courage. C'est parti. Et on monte les genoux. J'ai pas montré les options, mais évidemment, n'hésitez pas à les utiliser au cours de l'entraînement. Si vous pouvez pas sauter, tout simplement. Ou si l'exercice est trop intense, l'idée étant bien sûr de bouger pendant les 30 secondes d'effort sans s'arrêter. Allez, courage. 2, 1, et pause. Bon, bah, dernier tour. On est chaud, demi-partie squat. On se met en place. Et c'est parti. Voilà, super. Bien joué. Mettez bien ces jambes derrière. Serre bien les abdominaux. En planche haute. Et on revient à la position de départ. Allez, courage. On y est presque. Bien joué. Allez. Parfait. Planche haute. Il nous reste 4 exercices, 2 minutes d'effort. On voit le bout, les gars. Allez. On passe. Et on est parti en ramène. Ouais, je me sens bien. Il reste que 2 minutes. Un peu moins, là. Allez, courage. On regarde bien ça. On pense à son alignement. Je veux vraiment pas te fesser en l'air, j'insiste. Allez, courage. Une relation au niveau des épaules. Yes. 2, 1. Super. 3 exos. Cross squat à suivre. Pense à souffler. Et c'est parti, go. Rampez, on descend les fesses. Parfait. Yes. Allez. Évidemment, on change le sens de croisement à chaque fois. Un coup la jambe droite devant. Un coup la jambe gauche. On garde l'amplitude sur les squats. Allez, courage. Parfait. Je vous sens bien là. Super. Ciseaux. Plus que 2. Et on finira en apothéose avec les jumps. C'est parti. Allez. On pense à l'intensité qu'on met dans ces ciseaux. C'est la dernière fois qu'on fait cet exercice. On souffle. On respire. Allez, courage. Bien joué. Allez, on accélère. C'est presque fini. On y est presque. Bien joué. On souffle. Jump, c'est le dernier, il reste 30 secondes et on n'en parle plus. Allez, et c'est parti. Ouais, et on monte. Allez, c'est la dernière fois. Parfait, et jump, très bien. Allez, on finit cet entraînement avec le soleil. On y est presque. Allez, question de seconde. Yes, bravo la team. On est venu à bout de cet entraînement bien cardio. J'en prends mon souffle pour vous parler. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'était vraiment sur tout le corps, on fera aussi des entraînements HIIT plus ciblés. Pour maintenant, n'hésitez juste pas à vous étirer, quelques étirements. Ou le rouleau, le foam roller si vous avez. N'hésitez pas non plus à faire quelques exercices de renforcement après le HIIT, c'est top. Ou d'aller courir si le cœur vous en dit. C'est vraiment le sens idéal pour aligner HIIT et course à pied pour optimiser ce qu'on vient de faire.
Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon reste de journée en fonction de l'heure à laquelle vous faites cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt.